Kan, what will when you read? And what do? Apprendre une langue en 3 mois, qui est prêt à relever le défi? La Société suisse d'Espéranto lance un concours d'apprentissage de cette langue internationale créée à la fin du 19e siècle par un jeune Polonais. Le but du concours, c'est de faire connaître l'espéranto et de prouver qu'on peut l'apprendre en 3 mois. Parce que le concours démarre aujourd'hui, c'est ouvert aux gens de 9 à 99 ans qui n'ont pas de notion d'espéranto. Ils doivent s'annoncer jusqu'au 30 juin et en octobre, il y aura des examens et on va voir les meilleurs. Et les meilleurs auront voyage et séjour en Allemagne pendant une semaine à une rencontre internationale où les gens vont parler espéranto. L'espéranto figurait dans les 30 langues les plus parlées au monde. On le trouve dans 100 pays. Mireille Grosjean le parle depuis 1985 et c'est même devenu une histoire de famille. Ses filles, beaux-fils et petits-enfants sont tous bilingues. Uno foie, estas nur qua. Il estas vere surprisitai. Tu la alia, estas malsana. C'était un gag japonais en espéranto. Le lexique est basé sur des langues européennes. Pour cette raison, les Européens ont reconnu. Si je vous dis « mi manjas », on entend « je mange ».« Mi trinkas », si on sait l'allemand ou l'anglais, « je bois ». « Domo », la maison, c'est du latin. Maintenant, il y a des possibilités de créer des mots dans un système qui ressemble au Lego. Et ce système, il existe en chinois. Donc, n'importe quelle personne de n'importe quelle langue du monde, elle va retrouver un ou l'autre des aspects de sa langue dans l'espéranto. Les sceptiques pourraient se demander quels sont les avantages de l'espéranto face à l'anglais, tellement répandu dans le monde. Avec l'anglais, vous pouvez avoir un billet d'avion. Avec l'espéranto, vous avez des amis. Donc, au Japon, j'ai habité 6 mois dans des familles. J'étais dans 22 familles en tout, dont 21 familles parlaient espéranto. Et puis, on peut poser des questions, avoir des réponses. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça symbolise? Pourquoi vous faites ceci ou ça? On a un dialogue, on a des explications et des réponses à ces questions. De retour d'un tour du monde de 8 mois, Mireille Grosjean à la Bougeotte. Entre 2009 et 2010, l'espéranto l'emmènera du Bénin à Istanbul en passant par la Mongolie ou la Suède. En attendant, elle racontera son périple lors d'une conférence le 17 juin à 19h30 à la salle des spectacles des Brenets. Iris for kun rompita cor al aina exterlando por instigi sin every igi sin per malmul costa brando non ha fresha par urboi cae peisag shandigis laula per voi Train station, it's on the sea, I'm a joy. Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Suisse Radio Internazia. Saluton mondo. Saluton al ciui ascoltantoi de Radio Habano Cubo via amica voce en Americo.
tutcore en la printempa etoso salutas ciuin radio amicoin esperanto redakcio de Pola Radio. Merkrede, la decan de junio. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Good evening. Good evening. Buenas noches, señoras y señores. Mesdames et messieurs, bonjour. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen. Willkommen. Bonan vesperon, amicoi, kaj bonvenon ĉe Esperanto-magazino de Tuluzo.